Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo dans laquelle Raoul Leblanc s'attaque à Boris Kate. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo. Ya, Boris. Un influenceur qui ne remplit pas son devoir de citronité est un influenceur bimbin. Voilà. Bonjour la famille, c'est comment? C'est toujours votre serviteur Raoul Leblanc. Je veux passer un message à toute la jeunesse qui me suit, à toute la jeunesse qui aime ce que je vais faire. Et ceux qui veulent être comme moi. J'ai vu des directs des jeunes depuis hier. Je me suis intervenu à leur débat. Mais ce que je veux dire à toute la jeunesse, surtout à Clément. Clément, tu dis oui, tu veux être comme Raoul Leblanc, tu veux ressembler à Raoul Leblanc, tu veux. Tu sais à quelle heure je suis au marché là, c'est à 6 heures. Voilà. Si tu veux être comme Raoul Leblanc, ne dors pas trop. Il ne faut pas se focaliser sur la caméra. La caméra, c'est la dernière des choses dans ta vie, au fait. On le sait comment. Voilà. Donc, le Djibé a dit Raoul Leblanc. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu vois Raoul Leblanc conduire une voiture, tu vois Raoul Leblanc à l'aise, tu vois Raoul Leblanc dépense l'argent. Ce n'est pas la caméra qui a fait ça. Non, non. C'est mon propre travail. On le sait comme ça. Voilà. Une tonne d'ognare. Et il y a un léo ou un nuit à quoi. Donc, tu cours derrière la visibilité. Quand tu cours derrière la visibilité, automatiquement, la dos chute. Il faut travailler pour gagner de l'argent, pour venir chercher la visibilité. L'argent même donne la visibilité. On le sait comme ça. Au quoi au Dakotivia. Visibilité, voilà, faut aller chercher de l'argent. C'est ce que je vous montre, vous les Indiens. Mais c'est pour cela, chaque fois, je fais des directs dans ma boutique. Je fais des directs dans mon lieu de travail. Donc, vous voulez nous copier parce que vous voyez, la personne est un peu bien. Non. Il ne faut pas copier la caméra pour nous. Copie le travail qu'on fait. On le sait comment? Je pense que matin, avec Fuya, au fond, on a vu la vidéo avec leur karatéka. Vous savez, moi, je le dis, je répète. Il y a une force à me répéter, pas ça, il y a un indien. Voilà. Je le vois, Georgina Miami, la suivre. On le sait comment? Voilà. Donc, tu réfléchis sur votre vie. Ne suis pas les gens bêtement. Ne fais pas des choses parce que les gens le font. Ce qui va t'embâtager dans ta vie, c'est ça que tu vas faire. Tu comprends? Voilà. J'espère que beaucoup de personnes vont comprendre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.